croix que Jésus a tout obtenu pour nous. C'est sur la croix qu'il a tout obtenu pour nous. Et il a tout obtenu pour nous, pourquoi? Il a simplement versé son sang. Il nous a rachetés. Amen. Alors on va prendre cette louange, le sang de Jésus, et après on va continuer en amenant l'adoration. Étends ta main, Seigneur Jésus.
chacun de nous ici présents.
accueille cette vie. Accueille cette vie. Reçois. 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 La miséricorde de Dieu. L'amour du Christ. Oh mes enfants, quittez cette robe de tristesse, quittez
énormément des palpitations du cœur. Et je crois que c'est des cœurs, et je crois que c'est vraiment c'est le cœur, mais c'est à travers de la peur qu'il y a cette palpitation. Ils ont une grande peur, mais le Seigneur te dit, aujourd'hui, je viens vous donner ma paix. Je ne vous donne pas la paix de ce monde, mais la paix d'en haut. Le Seigneur visite plusieurs personnes, parce que le Seigneur a dit, aujourd'hui, je veux guérir mon peuple. Croyez-le. Et si vous croyez de tout votre cœur, de votre âme, de tout votre esprit, alors vous serez guéri. Le Seigneur touche plusieurs personnes qui avaient du mal à s'endormir, qui avaient vraiment des problèmes de sommeil. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, je veux vous donner un bon sommeil, un sommeil réparateur. Parce que c'est à travers du sommeil que là, vous allez pouvoir non seulement prier, mais revenir à votre Seigneur Jésus-Christ dans la paix. Le Seigneur a touché une autre femme qui souffre énormément au niveau de la vessie. Et elle a tellement peur, elle se dit, certainement, j'ai un cancer. Mais le Seigneur te dit, mon enfant, ne cherche pas l'origine de ce que tu as, mais cherche plutôt le donateur qui est venu te guérir aujourd'hui par ma main bénissante et sous ta vessie. Et cette chaleur que tu ressens, c'est ta guérison. Il suffit d'accueillir cette guérison par la foi et tu viendras témoigner de ce que ton Seigneur Jésus a fait aujourd'hui pour toi. Le Seigneur a touché un homme qui est là, qui se dit, oui, je veux suivre le Seigneur, mais je ne sais pas comment. Parce que où j'ai été, le Seigneur ne me pardonnera jamais. Le Seigneur te dit, mon enfant, si j'ai pu pardonner le bon larron à la dernière minute, je lui ai dit, aujourd'hui même, tu rentreras dans mon paradis. Si tu confesses vraiment, sincèrement, tu seras pardonné, mon fils, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin pour que tu puisses venir travailler dans la vigne. Le Seigneur a touché une femme qui souffre énormément de la colonne vertébrale, des vertèbres cervicales. Oui, le Seigneur dit, aujourd'hui, je veux guérir non seulement toutes les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, mais je touche une femme qui souffre de qui a des fortes douleurs, mais au niveau de ses mains, de ses doigts, et elle n'arrive pas à fermer ses mains. Le Seigneur dit, aujourd'hui, mon enfant, je te guéris. Béni soit le Seigneur. Je rends grâce et je bénis le Seigneur, car il est vraiment en train d'agir et il continue d'agir en ce moment. Il dit à un frère, tu as très peur car on a découvert une grosse tache sur ton poumon. Et le Seigneur te dit, mon fils, je suis en train de guérir justement ton poumon. Car moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai entendu ta prière. Continue à venir, continue à être fidèle envers moi. Moi, je ferai le reste, non seulement sur ta santé, mais dans ta famille. Le Seigneur touche également une femme qui a très peur parce qu'elle a senti une boule près de son sein. Et le Seigneur te dit, ma fille, c'est plutôt le stress et la peur qui te fait ressentir cette boule. Moi, ton Seigneur et ton Dieu, je te mets la paix et tu verras, tu ressentiras plus rien, car je suis là et je m'occupe de toi. Le Seigneur a entendu également plusieurs personnes qui avaient beaucoup de soucis, et notamment par rapport à leur travail. Il y en a ceux qui ne trouvaient pas de travail, mais il y en a d'autres qui savaient très bien qu'ils n'allaient pas rester longtemps dans le travail. Le Seigneur vous dit, mes enfants, je nourris les oiseaux qui sont dans le ciel. Vous croyez que je vais vous laisser comme ça? Ayez foi en moi. Moi, je suis en train de travailler. Laissez-vous aller et en paix, car je vous donne régulièrement des pistes pour votre travail, mais vous ne m'écoutez pas, vous ne m'entendez pas. Ça a pris tellement de place dans votre tête
vous dis, mon fils et une fille également. Recentre-toi. Écoute ma voix. Je te parle. Amen. Je mettrai des bonnes personnes sur ton chemin pour le travail. Amen. Je crois que le Seigneur est en train de parler à beaucoup parmi vous ce soir. Beaucoup parmi vous qui n'ont pas de travail. Si l'un de nous ouvre ton cœur maintenant, demande avec foi. J'ai pas de travail, Seigneur. J'ai cherché, Seigneur, j'ai pas trouvé. Peut-être que j'ai cherché mal. Mais toi, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, guide-moi, Saint-Esprit. Éclaire-moi, Saint-Esprit, pour que je trouve ce travail. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de logement. Demande en ce moment même. Demande. Dieu pouvoir quand Dieu quand le mot. Il est dit dans la parole, je pourvois à tous vos besoins. Frères et sœurs, vous savez, la religion, ce n'est pas le fait d'aller dans une église. Vous n'allez de faire ceci, tel mélange. Non, 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 la religion, ça peut être ce soir. Ça peut être ce soir. Demande. Je cherche le logement. Je ne l'ai pas. Je cherche le travail. Je ne l'ai pas. Mais tu as dit. Tu as dit, Jésus. Croyez que ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et cela s'accomplira. Je me dis, pas dit, si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Glorifie le Père. Mes enfants, de quoi vous inquiétez? Ne savez-vous pas l'amour que j'ai pour vous? Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, afin que je prenne soin de vous. Vous êtes mes élus, vous êtes mes choisis, vous êtes mes bien-aimés. Vous faites partie de la famille royale, voyez-vous en cela. Un enfant de roi, tout est-il de ce qu'il peut avoir, mes enfants, je prends soin de vous. Ayez foi, ayez confiance. J'ai montré à un enfant l'entrée de l'hôtel pour le travailler. Et cet enfant a dit non, moi, pas ça. Mes enfants, soyez à l'écoute, puisque je vous montre. Et vous ne m'écoutez pas. Je vous aime tant, mes enfants. En ce temps, vous êtes mis à part. N'ayez peur, n'ayez crainte. Je vous le répète, n'ayez peur. Pas d'inquiétude, pas de crainte, pas de doute. Si vous croyez que je suis avec vous, je veux tout pour vous. Le Seigneur parle à beaucoup parmi vous. Il y a ce moment même les frères et sœurs qui ont peur de la maladie. Vous savez quelle maladie vous avez. Seigneur dit, mettez votre confiance en moi et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mes enfants. Ne suis-je pas avec vous? Ne suis-je pas avec vous? Ne suis-je pas avec vous? Alors pourquoi tu peux? Mais seulement apporte ta confiance en moi et tu verras ma gloire. Il y a une sœur qui demande cette prière, roi des rois. Donc on va prendre cette louange et puis après on va faire des recommandations. Vous connaissez, vous avez cette louange, roi des rois. Vous la faites, vous mettez debout, on va le faire. Daniel. La page 36 de vos carnets. Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci. Tu étais là avec nous pendant toute cette assemblée. Et nous savons que Dieu, que tu nous as bénis. Tu nous as donné beaucoup de grâce. Nous te disons merci, mon Dieu. Sois toujours avec nous, Jésus. Guide-nous, Jésus. Éclaire-nous, Jésus. Fais-nous aller beaucoup plus loin de la connaissance de ton amour. Alors, Seigneur, merci. Applaudissons le Seigneur. Merci.